incroyable. C'est combien de mois que tu lis ce livre? Ça fait beaucoup de mois parce que j'arrive pas à le finir. Non, mais c'est en train de dire un truc exceptionnel. Elle a fini son mère, elle a fini chapitre 1, chapitre 2. Oh. Alors, vas-y, c'est quoi? Alors, il dit... Je l'ai lu. Le livre dit que... Ouais. Il paraît que le futur est déjà écrit. Tout est là. Et la preuve sont les rêves prémonitoires. Super. Toi, déjà, ça me mérite de nous endormir. Hein. Bon. Ça commence bien pour rêver. Ouais. Bah écoute, il faudrait écrire... Bah, des fois je rêve que je dors. C'est un peu le rêve que j'ai. Putain. C'est non, parce que moi, tu es là. C'est excitant. Attends, c'est pas là où on va. Non, c'est pas là. Non. C'est la prochaine. Non, mais c'est bien que tu dors de temps en temps. Alors, tu dors quoi? 2 heures par nuit? Nombre de fois, je me suis effondré, couvert de sueur sur ton corps. Après des heures d'efforts. C'était bien? Attends, moi, ça m'intéresse. Des fois, toi aussi, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour te faire jouir? Ça déconne. Mais arrête! Pourquoi tu dis tout comme ça? Ça, c'est ta faute. Hein. Si tu sors avec des mecs avec qui t'étais. Dis pas que t'arrives à la faire jouer, ça déconne. Ah, t'inquiète pas. Mais quoi? Je dis pas. Allez, tu dis pas. Je te sens pas obligé de répondre. Oh, c'est le revue de la société. Le mec, c'est peut-être de prima. Allez, raconte-moi. Ah, vous faites ce qu'on a petit secret, oui, parfaitement, nous avons notre licence, nous avons notre licence. Tu vois comment tu es, tu dois toujours tout expliquer. Mais j'explique rien du tout. Dites-moi oui ou non, est-ce que vous arrivez à jouir? Je suis pas arrivé pendant des années. Oui, t'inquiète pas, tout va bien. Mais c'est peut-être pour ça que toi t'es derrière et moi je suis devant. Tu veux dire quoi, les deux? Ils sont déconnés, Alex. Il y a personne. Il a fait quelque chose d'intéressant ou pas? Allez! On peut pas parler des choses comme ça. On peut parler des choses comme ça. Tu veux qu'on les fasse, les choses? À tour de rôle, on fait une liste d'attente, on verra bien c'est ce qui t'arrive. C'est compliqué, mais après tu vois. Sérieusement, est-ce qu'il t'est arrivé à quelque chose ou pas? Tu m'as reproché, pendant longtemps j'ai cru, ma petite fille, j'ai obtenu des résultats éminents depuis. Mais parce que tu sais. Est-ce qu'il t'est arrivé à quelque chose? Pierre. Non, on peut pas parler du Pierre. Sexe. Mon ami, du sexe, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut. On peut parler de tout, alors que toi, ta fixation. On peut parler du sexe. Non, mais parce que sa fixation, c'est qu'il faut tout expliquer. Mais il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Voilà, le sexe, c'est ça. Il faut le faire, il faut pas un... Alors d'accord, alors on le fait, mais tu peux donner un résultat, un constat, une observation. Est-ce que oui ou non, t'as eu un peu de plaisir, un peu de bien-être? Enfin écoute, avec c'est pas vulgaire ma question. Avec moi, non, je sais, c'était cul. Mais arrête, pourquoi tu dis ça? J'ai arrêté, mon cardiologue, il m'a dit d'arrêter, il m'a dit faut arrêter. Sinon vous allez mourir, c'est elle ou vous, c'est son orgasme, votre cœur. Non, sérieusement. Mais arrête Attends. Oh là là, un métro, regarde là-bas, il m'a bleu les couleurs. Quelle tête de menteur! D'habitude, les menteurs ont un grand nez. Toi, t'as des grandes oreilles. Moi, j'ai pas un grand nez, moi. T'as des grandes oreilles. On les voit pas, ton nez, on les voit pas. Attention, regarde avec le vent. Ah, dis donc! La prise d'air! Mesdames, messieurs, un couple qui jouit. Oh là. Une fois elle a crié, c'est parce qu'elle était tombée, elle s'était cognée sur le... Arrête! Elle avait un gros bleu, la seule trace d'orgasme que j'ai pu lui laisser, c'est un gros bleu sur le front. J'ai cru, tu vois comment on dit, tu vois? Elle pleurait, tu sais, du sang partout, tu sais, c'est raccord, tu sais ce qu'on dit, du sang, elle crie. Oh, ils savent ça. Il n'existe pas de femmes qui jouissent pas, il existe juste des mecs qui ne savent pas baiser. Et avec ça, je te dis. Pourquoi tu te fais du mal? Je ne fais pas du mal. Moi, je vous dis la vérité, j'assume. Je n'ai pas réussi à faire plaisir, trop cérébral. Ouais. T'as raison. Et lui, avec un régime de banane, de la testostérone, crack, c'est extase. Tu es trivial. Hein. Tu fais ça avec un régime de banane, toi? Bravo. Je ne crois pas. Ah, c'est cool, le petit bourgeois qui a sa petite fête, il ne va pas livrer ses secrets d'alcool. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut être pour libérer. Alors vas-y, je t'écoute. Attends, je vais prendre deux fois. Au cas où je prends mais ça fait longtemps, oui, tu as déjà un bouton. Merci beaucoup. La dernière soirée, je ne les ai jamais consommés. Ah oui, d'accord. La seconde, je ne sais pas comment t'appelles ça. Alors vas-y. Un geste doux, vas-y. Non, il est trop tard pour toi, je t'assure. Si t'as pas réussi jusqu'à maintenant, non, à l'âge que tu as, tu n'y arriveras pas. Allez, dis-moi. Il faut que tu t'occupes de tes rats. Ça, tu peux. Faire sur des rats, c'est pas légal. Allez, vas-y. Un stylo. Allez, c'est un coup de venir fou, je m'attaque aux petits enfants. Allez. Dis-moi. Ne veux pas que j'écoute la voix haute comme ça en ce moment, c'est dangereux. Alex, c'était quoi le truc? À quoi tu penses? C'est les onomatopées, c'est le pelage, c'est l'odeur, c'est le cri de la forêt. Allez, oh, je crois pas.
petit jeu, je suis trop cérébral, trop intellectuel. Je te demande quelque chose de basique, de simple. Oh, fais des petits câlins, fais des petits. Tiens. Mais attends, mais faut chanter pour vous y êtes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vous gêne. C'est vrai, je vous gêne? Non. Oh, je vous gêne. Excusez-moi alors, monsieur dame. Qu'est-ce que ça, madame? Écoute-moi, là. Madame Jouy. Qu'est-ce qui se madame passe Jouy, avec Sylvie? Madame Jouy, elle garde ça pour elle. C'est pas très généreux. Qu'est-ce qui se passe avec Sylvie? Sylvie, c'est comme toutes les autres. Quelques sortes d'efforts. Non, tu sais ce que c'est les problèmes avec toi? Que tu le fais comme si c'était une prestation. Quoi? C'est une prestation pour toi. De quoi faire? De le faire. Tu le fais mais t'es pas là. Oh. Qu'est-ce que j'entends? Si, c'est vrai. Écoutez, moi franchement ce genre de truc, ces détails de votre vie privée, ne m'intéressent pas. Excusez-nous mon père. Mais si, mais alors que c'est lui qui a commencé, il faut le dire. Non, mais attendez, tout à l'heure on va dire un soirée, vous allez dans les toilettes, vous discutez. Qu'est-ce que t'as pu faire de plus par rapport à ça que j'ai pas pu faire? Rien de particulier. Vous êtes trop vieux, vous êtes trop vieux, laisse tomber. J'ai besoin de plus que toi. Non, raconte un petit peu plus que ça. T'as vu, l'état civil, il est assez. Mais tu sais quoi, tu penses trop au plaisir de l'autre. C'est ça le problème. Il faut que tu te laisses aller. Tu es un altruiste. Tu relâches tout et tu penses qu'il y a toi. Et ça va beaucoup mieux. Non, c'est beaucoup mieux. Parce qu'après, tu te bloques. Tu penses au désir de l'autre, c'est bien. Tu penses trop au désir de l'autre et tu te bloques. C'est pas faux, ça. Non, c'est vrai. Tu te bloques parce que tu ne penses pas sur toi. Et à la fin, tu sais quelquefois, la jouissance d'une femme, c'est la jouissance des mecs. Et si moi, je sens que les mecs ne jouent pas, tu n'es pas pris par sa jouissance aussi. Attends. Si je sens que l'homme n'est pas pris par sa jouissance aussi. Et tu fais toi aussi, tu dis. Non, tu jouerais pas comme ça. Du coup, je suis bloqué, tu vois. Je suis bloqué. C'est terrible de se rendre compte de tout ça après coup. Après tant d'années. Tu deviens tous les célibats. Mais tu sais, j'arrivais pas. Tu sais quoi, j'arrivais pas. Attends, tous les efforts que j'ai pu faire pour me retenir. Vraiment, pour des heures et des heures. Tu te rappelles, mon couvert de sueur. C'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait tirer un coup comme un lapin. Et là, deux heures après, tu jouissais. Moi, j'étais sous la douche, je dormais. Enfin, oui, c'était un con, là. Tu me comprends, c'est pas ça. Non, c'est que toi, moi j'ai besoin. Mais non, on peut pas expliquer tout ça, tu comprends? Alors que toi, ton problème, ta paranoïa, c'est qu'il faut tout expliquer. Là, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer. C'est comme les discours. Quelquefois, tu baises et après, tout est réglé. Je ne sais pas pourquoi. Tu n'as plus besoin des. Les corps parlent. Non, parce que les corps. Je t'ai raconté comme toi, tu t'excitais. Toutes les histoires que je te racontais, c'était que virtuel. Il y a plein de choses qui t'intéressaient dans ce que je racontais. Je suis jamais vraiment arrivé à l'extase, mais il y a bien une fois ou deux, sois sincère. Dis-moi, il écoutera pas moi. Dis-moi, est-ce que je suis. C'est vrai, plus que ça, mon pote. Plus que ça. Petit bonhomme, plus que ça. Tu vois que tu parles un télo. À la fin, on arrive toujours terre à terre, on touche que le sexe. Voilà, après tu lui dis qu'il est l'animal. Oui, son envie basique, il n'y a que ça. Il n'a pas de langage, tu ne peux pas savoir. Donc oui, moi, il y en a vouloir baiser, moi, il y en a vouloir manger, moi, il y en a Marcus. Viens, essaye de diversifier un petit peu tout ça. Et moi, avoir beaucoup de mal, parce que moi, c'est le langage. Le langage, venez, on y va. On est arrivé? Bon, je suis dit, je vais rester, j'ai masturbé. Mais non. N'importe quoi.